était là pour protéger qui est-ce? Monsieur était là pour garantir vie, pour garantir la vie qui est-ce? Monsieur était là pour faire qui ça? Et monsieur son nègre qui a une personnalité par rapport à ça qui est là. Il va te besoin de temps de nous dire démissionner, il était supposé râler quoi. Mais en même temps, tout, dans le phénomène d'insécurité, ça qui est là, je dis à nous capables de compter un leader, tant que leader petit de Saline, Moïse Jean-Charles, sans ne pas venir voir monter sous personne, sans ne pas venir shooter sous personne, mais nous venons dire peuple ici. Moïse Jean-Charles a deux ministères dans le même. Il y a le ministère de la justice dans le même. Et nous profitons de ça pour nous dire comment faire le ministère de la justice dans le même. Pour Anel toujours dans la prison, pour Babas toujours dans la prison, pour Job toujours dans la prison, pour les prisonniers politiques. Comment se fait-il que le ministère intérieur dans le même? Pour gagner à l'aise dans la rue, à marcher, kidnapper, tout le monde sans problème. Ça veut dire que dans le CSPN, pour qu'on parle, Moïse Jean-Charles a deux représentants. Et nous venons là matin pour nous dire, Moïse, pendant des problèmes policiers, ça veut dire qu'il était spécialisé, il manquait, ou même pour qu'on parle, il y a 5 policiers avec vous. Vous avez mis courage pour dire par rapport à ça que là, bon, vous êtes là, vous allez servir le peuple là. Vous ne pouvez pas faire ça. Ou que mes 5 avec vous. Viva Haïti, vous attendez, vous marchez dans toute radio parler du bagage ministère intérieur dans le même. Je vous rappelle, après la mort Jovenel, Viva Haïti te rencontré avec Ariel. Il était un leader politique qui était là, qui te dit, yo même pas au ministère intérieur, il a signé pour nous. Eh bien, Ariel te dit, je ne suis pas au ministère intérieur parce que nous déjà un mot pam avec Moïse Jean-Charles. Nous avons un accord avec le de Saline, donc le ministère intérieur est pour lui lier. Pas venir bluffer les gens. Et dernier bagage là, comment pour ce Moïse qui a fait rencontre avec une série de gangs pour faire quitter le chita avec lui? Pour faire qui ça? Pas avoir ça que là. Il va être dénoncé ça parce que nous sommes dans le quartier populaire. Nous sommes dans le ghetto. Et toute insécurité de ça qui est là, le premier quartier qui touche là-dedans, c'est le quartier populaire. Et nous venons dire, moi, Jean-Charles, faut camper pour nous parler plus loin avec vous. Concernant ce qui a passé depuis les Ariel monté là, nous avons parlé des élections. Je dis, est-ce que pendant qu'il y a kidnappé les gens, pendant que les gens ont flané toute la rue, bloqué toute zone, et puis vous tendez, directeur général de la police en Chita, chaque week-end, dans la direction générale de la police, l'a préparé un plan de sécurité pour l'élection. Ça veut dire que la sécurité, le besoin, c'est l'élection, le besoin. Mais ça, il y a là une élection. Et je dis à Nego, tellement pas de personnalité pour écrire Moun Kounia là pour vous représentant dans le conseil électoral. Ça veut dire que vous avez fait une élection pour y vider par rapport à ça qui est là pour remettre Michel Malfini pour voir. Donc nous prenons tout le monde pour imbécile. Nous prenons tout le monde pour macaque. Même si le conseil de nègres qui pensait intelligent, qui pouvait faire quoi avec vous, je dis à ces mêmes nègres PHTK qui mangeait l'argent, c'est IRH. Qui mangeait l'argent peut tout arriver, je dis à nous, je suis sous même tabac avec vous. Nous avons même à quoi avec vous, et puis nous disons que nous avons défendu le peuple. Et concernant le phénomène de sécurité, il touche tout le monde. Dans les bandits bien connu, qui te dit phénomène de sécurité, la porte le monde de son ville dans le des autres. La police t'étendait ça. Il était impuissant pour le stopper, pour le stopper. Que le la boule, que le fermat, que le montagne noire, je dis à tout le monde, même pour boire. Et pas que la police. Même la police victime de phénomène de sécurité, tout le monde voit comment il a kidnappé les policiers. Même Léon Charles n'a pas mené une opération pour défendre les policiers. Nous venons dire, peuple ici. Nous connaissons en pile folie d'être épuisé, nous en pile. Nous faisons faux manifestations, nous défendons des intérêts qui ne sont pas cadrés. Et je vous dis, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force pour nous manifester contre le phénomène de sécurité. Malheureusement, nous n'avons pas besoin de force ça. Nous n'avons pas besoin de courage ça parce que nous avons épuisé nos corps. Mais Viva Haïti, pour ton conseil pour chaque citoyen ici, de nous demander, seul moyen de stopper le phénomène de sécurité, c'est sous toute bocal pour nous mettre wash, pour nous mettre bouteille, pour nous mettre fait. L'équipe n'a plus fait nos zones. Ce n'est pas après pour faire manifestation. Mais c'est le moment en fait là pour nous barricader, calonner vagabond roche, pour bagarrer ça, pour nous stopper. Nous avons la police qui peut défendre nous. C'est nous pour défendre tête. Je me rappelle nous depuis les Ariel rentrés là.
son opération plein poche qui a plein. Et ça fait tout accord fait là, c'est accord profal. Tout n'est pas chercher bagage pour mettre dans l'estomac. N'oubliez grand goût, n'oubliez misère, n'oubliez chômage, n'oubliez la vie chez nous, n'oubliez même oublié phénomène de sécurité là dedans. D'ailleurs, ça n'a pas intéressé aucun nègre de faire kidnapping la victime là. Et je vais finir pour me dire, par rapport à tout bagage ça, le sénateur Youri a continué avec un plan de sécurité. Pas de monde qui pète dans le coton bal senti. Alors que vous avez dit si plan antagonique pour le politique, en retirer le politique, en mettre le technique pour nous retirer le pays, pour nous retirer le peuple là. Dans sa lié, je ne vous dis pas. Ça ne va intéresser personne monde. Parce que là, vous comptez cadavre dans la réalité, vous faites bien. Là, vous comptez volume pasteur qui kidnappe, vous faites bien. Là, vous comptez volume élève l'école, vous kidnappe, vous faites bien. Là, vous comptez tout volume monde qui a crié dans la radio pour le monde qui kidnappe, vous faites bien. Mais vous comptez tout par rapport à la somme corps qui a pendé pour le monde qui est victime de phénomène de sécurité. Donc, je dis là, nous voulons demander à Ariel Henry de diriger qui ça. Ou c'est le premier ministre qui est-ce? Nous voulons demander sacré les quittels là. Ou c'est le ministère intérieur qui ça? Qui sort-il là? Mais nous voulons dire tout, c'est le ministre justice. Ou le ministre justice qui ça? Toujours bien prisonnier politique. Nous prenons en mesure pour nous cadrer la police. Nous prenons en mesure pour nous stopper aucun kidnapping. Mais nous voulons dire secrétaire d'État à la sécurité publique. Ou secrétaire d'État qui est-ce? Qui ça? Mais directeur général de la police, nous voulons demander monsieur qui ça la prégle là? Chaque jour c'est kidnapping. Maintenant là, nous n'avons pas qu'à compter le volume de monde qui kidnappe. Pas trop loin d'Elma 31 là, devant l'ancien local mairie de Delma, ils ont kidnappé les gens là. Dans l'immigration, ils ont kidnappé les gens là. Devant chez tout le monde. Et zone ça, toujours qu'il y a patrouille la police, toujours qu'il y a backup police, toujours qu'il y a police qui a flané là. Est-ce que son complicité, lui va ici pas. Mais ça qui est important, maintenant, nous venons dire, peuple haïtien, nous on fasse tout le monde qui va défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Nous on fasse tout le monde qui va contribuer dans le phénomène de sécurité de sa guerre. Nous on fasse tout le monde qui va faire un accord gros fal pour plein de choses. Nous on fasse tout le monde qui va parler de Haïti. Je vais finir avec ces paroles. Parti socio-politique, c'est prénom. Vive Haïti, c'est Siantine. Tout ça qui va bien vivre Haïti là-dedans. Et tout ça qui va bien Haïti sous table là. Nous-mêmes n'avons pas facile. Abonnez-vous à ça. Je dis, nous, chaque semaine, Vive Haïti a une convocation faite pour la presse. Nous dit avec la société, ce n'est pas parce que nous avons envie de parler de la presse qui fait de temps en temps convoquer la presse. Mais mon travail qui a été fait pour nous permettre la société à prendre plus conscience par rapport agent pays a yé la journée aujourd'hui. Et de jour en jour, c'est plongé, pays a plongé. Donc, nous revenons au Carrefour. Ça qu'a fait là, il faut camper encore pour stopper. Et c'est dans quatre sensibilisations ça a noué au niveau Vive Haïti. Par exemple, chaque semaine, nous entendons les États-Unis avouer monde soit émissaire ou bien envoyé spécial. Ou il fait qui ça pour nous? Non pas dans la guerre, pas une guerre civile dans le pays. Vous dites chaque groupe qui a des armes dans le pays. Puisque nous parlons de déposer des armes, les États-Unis vont aider les gens pas là avec nous, tant que nous avons déposé des armes. Nous pas là. Son crise politique qui est dans le pays. Et crise politique là, elle est aggravée, c'est à partir de 2010-2011. Donc, crise qui est là, les États-Unis pour beaucoup dans la crise là. Parce que sorti en 2010, pour en 2016, deux présidents. Élection faite, c'est les États-Unis qui mettent le président au coup. Et pour les filmer le président, pour le protéger le président, ils ont choisi deux ambassadeurs spéciaux pour venir protéger PHTK, pouvoir PHTK. Nous sortons dans Kenneth Merton, première version. Nous tombons dans Pamela White. De Pamela White, nous tombons dans Madame Sisson. Jodi a encore. Les États-Unis retournaient Kenneth Merton Badou. Nous avons une question à poser les États-Unis. Est-ce que les États-Unis, je vous dis à table d'une, ils ont carence de diplomates la Kaili pour nous pas avoir raison pour nous réchauffer ça et nous revoir le Badou encore. C'est vrai, les États-Unis, le grand monde, c'est lui qui connaît qui est capable de représenter, qui est capable de défendre l'intérêt. Mais l'on choisit pour réchauffer ça, vous voyez, nous,
en dans pays et me connaît qui ça que notre fraternité fait déjà en dans pays comme représentant des États-Unis. Je dis à fond poser question. Est-ce que les États-Unis pas un plan pour détruire Haïti sous on dit sous quatre géographiques là ou bien sous planète Terre? C'est question ça la pose. Nous voulons parler avec ensemble de monde, nous tendez à quoi à droite, à quoi à gauche. Mes amis, soyez sérieux. Si nous pas gagner à quoi nous, c'est pas des intérêts personnels. À quoi pour nous défendre pouvoir pour tes amis nous, pour famille nous, etc. Pour qui ça? Après 3 mois, je venais le film mourir. Nous pas qu'à mettre tête nous ensemble. Nous prenons tout à quoi ça pour nous défendre. Pour nous jouer un accord unique. Pour nous voir si nous avons résolu la crise. Donc, Viva Haïti, vous demandez nous, s'il vous plaît. À quoi à droite, à quoi à gauche? Chaque monde a toujours gagné un accord. Comme plan pour résoudre la crise dans le pays. Si ce n'est pas dans l'élection, alliance avec lui, dans la transition, c'est mettre tout sous table pour nous faire un fonceur. Si vous voulez un accord pour la qui vous passez, dans le cadre d'un projet politique, mon seul bagage pour faire tant l'élection, on va l'imposer avec la population et les populations à voter. Même si c'est blanc encore qui t'apprend, on le met sous pouvoir. Même j'ai un PHTK, et bien accord pour là, et le programme politique pour là, c'est le cas passé. Mais là, ce n'est pas l'année. Son transition. Cette transition elle concerne nous tous. Donc chaque grain monde qui a intérêt, qui ouvre bagage en façon, nous cachita ensemble pour nous dire mais comment nous well. En fournir ensemble pour nous qui s'en gaffe. C'est ça nous-mêmes au niveau Viva Haïti, nous-mêmes la pône, c'est ça que fait, nous venons là pour nous dire avec classe politique. Surtout les gens qui n'ont pas accord, nous avons des accords qui ont tiré ficelle. Il y a des gens qui ont poussé Ariel Alexin, Brodil Adelante. Alors que auparavant, ils étaient contre mon Adelante, ça, les PHTK. Matéli avec Jovenel Moïse et Vinasso avec lui. Jodi a se yo qui a forcé Ariel monter gouvernement, mettre le conseil électoral pour faire qui ça. Alors ce que vous connaissez, crise n'est pas l'allié. Le plus profond toujours. Pour qui ça ne pas chercher moyen nous entendre nous, si nous voulons une solution avec crise, pour nous dire en attendant nous définitivement, nous joignons un accord unique pour que tout le monde qui a accepté. Un cas accepté, nous dit là, nous sortis là, mais qui côté nous aller avec pays. Nous même au niveau Viva Haïti, c'est là de situer nous, c'est ça que fait nous demander le plus vite que possible que tout secteur en la pays nous entendons autour de un accord unique pour résoudre la crise pays. Merci beaucoup.